le premier but à la 59e minute. Il est signé Ludovic Obraniak qui était entré à la pause. Mais un avantage de courte durée pour les Girondins, puisque 5 minutes plus tard, c'est l'égalisation de G. Alors malheureusement, il y a un spectateur qui va se lever et donc on va pas voir la fin du but. C'est un peu dommage, mais je peux vous certifier qu'il est bien entré dans la cage. Prolongation et Raon prend l'avantage avec Keita. 2-1. Là, c'est une véritable sensation parce que Raon l'étape joue en 4e division CFA. Ensuite, c'est l'égalisation de Diabaté sur pénalty. Et on arrive au tir au but. Et là, les Girondins s'imposent 5 tirs à 3. Ludovic Salé qui marque le dernier tir.